President, please be seated. Président, veuillez vous asseoir. The court is back in session before I give the floor to the defense chief for Mr. Nunchia to resume his line of questioning. The chamber would like to remind all parties that yesterday I informed the co-prosecutors together with legal lawyers in relation to questioning of this witness. I instructed co-prosecutors and legal lawyers that the questions should be simple and precise and also short. This witness, as I said yesterday, has difficulty in speaking Khmer because, as far as we are concerned, he has a different language, different culture and tradition from that of Khmer. So in order that the chamber can ascertain the truth in this case, the question should be short and precise. I noticed that parties in the previous session changed their position when they address the court. They appear to deliver speeches to the chamber. So once again, the chamber reminds everyone to stick to the formal questions allowed by the chamber, and we have allowed such practice for over 7 years. Telle est la pratique qui prévaut depuis plus de 7 ans. And in addition to this, the chamber wishes to inform that the party has to adhere to their professionalism when they address the chamber. Please avoid any disparaging speech here in this courtroom. Now, the chamber gives the floor to the defense team for Mr. Nunchia to resume his line of questioning. You may now proceed. Thank you, Mr. President. Before I start, Mr. President, both the accused upon defense team and we are a bit concerned about the time that we still have left. We noticed that I was objected to about 9 or 10 times. Yesterday, there was also an additional 20 minutes for the prosecution. So we are inquiring as to how much time both defense teams still have today. President, we are not competing each other here. However, if you made a request to have 20 additional minutes for your time to question this witness, the chamber may grant you the request. However, questions with no basis or irrelevant questions will not be allowed in this courtroom. And when one party is objecting to questions put by another party, please make it clear, try to avoid delivering any lengthy speech before the chamber. Faites en sorte en répondant d'être clair et d'éviter de prononcer de longs discours. So we have to be clear on this matter. Monsieur le Président, je me permets d'intervenir à ce stade puisque, comme nous intervenions en dernier, la question de du temps supplémentaire reviendra à notre équipe. Donc j'indique dès à présent que nous demandons 20 minutes du temps supplémentaire pour pouvoir terminer notre interrogatoire. President, I told you already that
20 minutes this will be granted to you when you put significant or necessary question to the witness. Tant que vous posez des questions qui ont du sens ou qui sont nécessaires au témoin. Thank you, Mr. President. Mr. Witness, let me go back to November 1975. You went from Ampil, your village, to Prek Achi. Is that correct? C'est exact. Réponse, oui, c'est exact. Witness, yes, that is correct. I went to Prek Achi. Je suis allé à Prek Achi. And when you went from Ampil to Prek Achi, did you follow the river Prek Achi, avez-vous suivi and le pass de la rivière, through tree, or did you go another route? Par tree, ou avez-vous emprunté une autre route? Answer. Réponse. I went on a boat along the river. J'ai pris un bateau le long de la rivière. And then arrive at Stung Trong. Ensuite, and after Stung Trong, we were taken to Songkhai before we reach Prek Achi. Do you remember roughly how many days or weeks after the rebellion in Kopal and Sveikling, you went to Prek Achi? À Sveikling et à Kopal, entre le moment où il y a eu ces deux rébellions et le moment où vous êtes allé à Prek Achi, combien de temps s'était-il écoulé? Answer. I am not quite sure on this matter. Je ne sais pas exactement. I did not know how long before I reached Prek Achi. After the rebellion, j'ignore combien de temps s'était écoulé avant que j'arrive à Prek Achi. Après la rébellion, nous avons été évacués à Prek Achi. We were woken up. On nous a réveillés. In at the night time, and we did not dare to say anything. Villagers in all houses were woken up and taken to Prek Achi. And as I said, after the event took place after the rebellion. L'événement a eu lieu après la rébellion. And when you went by boat from Ampil to Prek Achi, following the Mekong, le long du Mekong, passing tree, did you see any dead bodies? Avez-vous vu des corps, any des cadavres, corpses without head? Sans tête. No, I did not see any réponse. Corpses non, at pas the time. Vu de cadavres. And when question. You arrived in Prek Achi, vous êtes arrivé à Prek Achi, did you hear anything about what had happened just before that in Tree? Aviez-vous eu vent de ce qu'il s'était passé à Tree juste avant cela? Answer. Réponse. No. Non. I did not know anything else besides the rebellion. Je ne savais rien d'autre, mis à part la rébellion. So is it correct to say that in those 3 years that you were at Prek Achi, you never heard anything about killings in Tree Village? Des exécutions dans le village de Tree. Answer. I was réponse. Living in Prek Achi. I have never heard of any killings. Je n'ai jamais entendu parler at Tree Village. In fact, when I was living in Prek Achi, I did not hear any events about killings in Tree Village. After I returned to Prek Achi, that I heard about après, lorsque the je suis incident revenu of killings. À Prek Achi, c'est là que j'ai entendu parler des incidents. Now, because of time, I will move on
until the end of your to the end of your stay in Prague Achi. You were told, you said, that peace had arrived and that you were allowed to go to Ampil. Is that correct? Vous avez dit que la paix était arrivée quand vous avez autorisé à aller à Ampil. Answer, yes, that is correct. And after the replacement of the southwest zone, we were told that we could come back to our village. On nous a dit qu'on pouvait rentrer dans notre village. And how many question. Other Cham families Combien went from Prague Achi to Ampil? Answer. Réponse. Regarding Prague village, it was a rather big village. C'était plutôt un grand village. And I did not know how many villagers Et j'ignorais combien de villageois came to Ampil village at that time, but there were many of them and living in Ampil at that time and the Soy village. Dans le village d'Ampil et de Soy. Do you know whether any other Cham families who were in Prague Achi si d'autres familles could go back Cham to Tree or could go to Tree rentrer, rather than Ampil? Plutôt que Ampil. Answer. Yes, our villagers from Tria village were allowed Tria to go and live in Prechi village. And some people from Prechi village were taken to be killed after they arrived for a few days. I will make my question simpler. Were there families who had been living in Prague Achi for 3 years were sent to either Tree or to Krochmar or to other villages? Depuis 3 ans, ont été envoyés à Tree, à Krochmar ou à un autre village? Witness, I'm sorry, counsel, I do not get your Je question. Suis désolé, Could you maître, repeat it, please? No, ma'am. I cannot get it. Je n'ai pas compris. You said you have been living question. With your vous family in Prague Achi for 3 years. Then you were told you are allowed to go back to your home village. On vous a dit que vous étiez autorisé à Do you know whether village other natal? Cham villages were also allowed to go back to their home villages? Ont eux aussi été autorisés à rentrer dans leur village natal. Answer. Yes, we Réponse. Were told as such that we would be allowed to go and live in our respective houses. And I did not know where did these people go to. Je ne sais pas où sont allés ces gens. Later on, I learned that people from Prague Achi were told to go back to their respective villages. However, they were taken to be killed. À rentrer dans leur village, mais qu'en réalité, ils avaient été emmenés pour être exécutés. You went with your family to Ampil. Question, vous êtes parti avec votre famille. Is it correct that you stayed there with your older sister, Afia? Est-ce exact que vous êtes resté alors avec votre sœur aînée, Afia? Bon, look, bon. Answer, yes. Réponse. That is correct. Oui, I was exact. Living with my older sister. J'habitais avec ma sœur aînée. And you also said that in Ampil there were about 20 or 30 or 40 Cham families. Question. Is that correct? Est-il exact de dire qu'à l'époque il y avait à Ampil 20, 30 ou 40 familles Cham? Well, answer, yes, that is correct. Oui, c'est exact.
Yes, about that number living in Ampel village. Il y avait à peu près ce nombre de personnes qui habitaient à Ampel. And you also stated that you vous avez également stayed for about a fortnight in Ampel village. Que vous étiez correct? Resté pendant à peu près 15 jours dans le village d'Ampel, est-ce exact? Well. Answer. Yes, it is about right. Oui, I stayed there for about a fortnight, after which we were transferred to Kampong Thom. J'ai été transféré à Kampong Thom. Kampong Thom? Question. Kampong Thom? Makyum. Answer. I'm sorry, réponse. I may have confused. After je m'excuse, il y a eu confusion. I was sent to Trier, and at a time that they Trier. Intended to take me to be killed. I'm sorry, I was not evacuated after I left Prekchi. Let me go back to Ampel again. You were in Ampel, vous étiez à Ampel. And you stayed a fortnight, vous êtes resté 15 and you had jours. To go because there was enough, not enough food. Et vous avez is that what you parce said qu'il yesterday? N'y avait pas suffisamment de nourriture. Est-ce là ce que vous avez dit hier? Answer. Réponse. I was not given any food rations to eat. On ne me donnait pas de rations alimentaires did not pour have me any nourrir. Meal to je n'avais pas de repas. Before I was told to return. Avant que l'on ne me dise de rentrer. So when you moved then from Ampel donc to vous Tree, êtes parti de Ampel à did your older sister Afia and those votre sœur aînée, 20 Afia, or 40 families et ces 20 stay behind 40 in Ampel? Sont restées à Ampel. Answer. Some réponse. People stayed behind in Soy's village and some others stayed behind in Ampel village. Et d'autres sont restés dans le village de Ampel. How about your question. Older sister, Afia? Did she stay Fia. Behind in Ampel? Est-ce qu'elle est restée à Ampel? Answer. Réponse. My older sister had ma not been evacuated pas été évacuée from Ampel, so Ampel. She stayed donc, in Ampel village. Elle est restée dans le village de Ampel. You know, from that the time that I was evacuated until the time that du I returned to Ampel village. Jusqu'au moment où je suis revenue. You're now saying, and maybe that's the translation, evacuated. Question. Maintenant, vous dites évacuer. I thought you said that you decided yourself to leave Ampel because of food. Ampel à cause de la nourriture. That thing, Madame Claito. President, please hold on, Mr. Witness. You may now proceed. International Deputy Co-Prosecutor. Yes, our objection is that the counsel is leading the witness and misstating the record. The witness testified that he was instructed, along with others, to go from Ampel to Trier. He never testified that he decided to do this himself. I will rephrase, Mr. President. When you went from Ampel to Trier, did you tell the person who instructed you that the Southwest Zone cadres in Prekachi had just before said you were allowed to go back to your home village? Vous avez dit que vous aviez le droit de retourner à votre village natal. Answer yes. Réponse oui. The
Southwest Zone cadre came to replace the previous cadres, and we were told that we could return back to our home villages. Dans notre village natal. After, during the fortnight period in Ampel village, we were told that we could go back to live in our home villages. At that time, Comrade Singh told us to leave for Truyel village. À ce moment-là, dans le village de Truyel. But you were already in your home village, Ampel. Mais vous étiez déjà dans votre village natal, qui est Ampel. So you left Ampel to go to Truyel, but Truyel wasn't your home village, correct? Pas votre village natal, c'est exact. Madame. Answer. Réponse. My birth village was Ampel village. Mon village de naissance est le village d'Ampel. We were instructed to go to Truyel village at that time. L'instruction d'aller dans le village de Truyel. I understand. But just only 14 days before, you were instructed to go back to your home village, Ampel. On vous a donné and you stayed with your older sister. Village natal, qui était Ampel, so et why vous avez séjourné were you instructed to go to Truyel? Votre sœur aînée. Alors pourquoi vous a-t-on ensuite demandé d'aller à Truyel? Answer. Réponse. There were too many villagers in Ampel village, and we were not allowed to stay in Ampel. Et nous n'avions pas le droit de rester à Ampel. Order from upper level l'ordre went through village chief is to order all, some of us to go to Truyel village qui nous a ordonné because there were too many people already in Ampel village. But do you remember at the time thinking to say, well, I can stay with my older sister? Que vous pourriez rester avec votre sœur aînée? There is enough food with my older sister, maybe? Que votre sœur aînée avait peut-être suffisamment de nourriture? Answer. No, I could not stay in Ampel village. The village chief would know that I insisted living in the village Ampel. And my older sister did not dare to put me in her house. It was a strict order at that time. L'ordre à l'époque était strict. But why go to Truyel? Why not go to Krochmar or to Sveikleng? What was the reason to go to have to go to Truyel? Pourquoi a-t-il fallu aller à Truyel? Bah, pour Truyel. Answer. Réponse. Soldiers, the military were living in the whole area of the Truyel village. Truyel village was the place where people were put and killed. People were placed in the houses in Truyel village and killed afterwards. But when you were instructed to go to Truyel, you didn't know that at the time, I presume. No, I did not know. Réponse, non. In at once. Je ne l'ai pas su aussitôt. We were riding our ox carts. Nous étions kitchen tools, blankets, sleeping mats, and our belongings were placed on the ox cart. Et un certain nombre de nos biens qui étaient à bord. I'm trying to understand something. You were instructed to go to Truyel. You said then your family was killed because they were charmed. But your sister, who was also charmed, was allowed to stay in Ampel.
on lui a permis de rester là. Pouvez-vous expliquer cela? Answer. Because my older sister had been living in the Ampel village for so long because I returned from Prejaji to Ampel. I was not allowed to stay in that Ampel village. And base people who had been already there in the Ampel village were allowed to stay in that Ampel village. But you also said there were about 20 or 40 Cham families in Ampel. Were they also, like your sister, allowed to stay? Leur a-t-on permis à eux aussi, à l'instar de votre sœur, de rester à Ampel? Answer, yes. It was the same situation for those families. Since they had not been evacuated elsewhere, then they were allowed to stay in that Ampel village. What happened to those 20 to 40 families? What happened to your older sister when she was in Ampel? Qu'est-il arrivé à votre sœur alors qu'elle était à Ampel? My elder sister lived in Ampel and nothing wrong was done to her. Ma sœur aînée habitait à Ampel et il ne lui est rien arrivé. However, later on, she was assigned to go with the groups to. Deal with the house construction. On l'a envoyé avec un groupe construire des maisons. She was with other 20 families. And later on, familles. People kept disappearing. Et par la suite, les gens disparaissaient. And that's after I returned from Trier village. C'était après mon retour du village de Trier. I will finish. I have still many questions, but je vais terminer, j'ai encore beaucoup de questions. Can you explain à vous poser why your direct family was killed in Trier, and because they were Cham, as you said. But nothing happened to the families, the Cham families in Ampel. Mais il n'est rien arrivé aux familles. What was the reason? Were you unlucky, or what is the reason? Do you know? Pouvez-vous nous donner une raison? After we were evacuated from Prejaji après que l'on to the village, évacué de and I did not know why we were considered the new Cham after we were evacuated from Prejaji, because previously we had lived in that village and nothing happened. Car avant, nous vivions dans ce village et il n'y avait pas eu de problème. And after our return from Prejaji, our right was not as equal to that who had lived in that village. Nous n'avions pas les mêmes droits que ceux qui vivaient dans ce village. Mr. President, I'm mindful of the time already. Passed another 10 minutes. For the record, I still have many questions to this witness, but I will give the floor now to the Cusin Panty. Mais je vais laisser la parole à ma consoeur de la défense du Cusin Panty. President, thank you, Counsel. And the floor is now given to the defense team for Cusin Panty. Je vous remercie, Monsieur le Président. Thank you, Mr. Bonjour, President. Monsieur Itsen. Good je m'appelle Ontagissé, je suis un co-avocat international de M. Cusin-Pan et j'ai quelques questions à vous poser. Première question, vous avez évoqué la révolte de Copal et vous avez indiqué, répondant aux questions de M. Coprocureur, que lorsque il y a eu la révolte à Copal, vous avez interdit de traverser pour rejoindre le village. Donc ma première question, c'est de savoir qui vous a interdit de traverser pour aller rejoindre Copal. Madame,
It was the soldiers who were guarding. C'était les soldats. In the area, we were prohibited from going. And if someone insisted on going, the person would be arrested. Et si quelqu'un insistait pour y aller, on l'arrêtait et on la ligotait. Vous dites que ce sont des soldats. Est-ce que vous savez à quelle force ces soldats appartenaient? Do you remember what force those soldiers belonged to? Stopped them and arrested them. Et les soldats les ont arrêtés. Est-ce que vous pouvez confirmer que Ampil, comme Preakchi, comme Trier, se trouve dans la zone est? We're in the east zone. Yes, that area belongs to the east zone. Later on, when the southwest group arrived, they accused the east zone cadres of having a Vietnamese head. D'avoir une tête vietnamienne. Est-ce que vous pouvez m'indiquer, si vous le savez, can you tell me qui était le responsable de la zone est au moment de la révolte de Koppal? In charge of the east zone at the time of the Koppal revolt. I do not know anything about that. Ah, je ne sais rien de cela. I do not know who was leading the revolt. Je ne sais pas qui était à la tête de cette rébellion. Je vais reposer ma question parce que je pense qu'il y a dû avoir un problème de compréhension. Est-ce que vous savez qui était responsable de la zone est au moment de la révolte de Koppal en 1975? No, I don't. Non. I don't know who was the chief je at the time. Je ne sais pas qui était le chef à cette époque-là. I heard about Tokman. J'ai entendu parler de Tokman. Tokman was not in my area that often. Tokman ne venait pas. He was usually based at the rice fields area. Assez souvent, il était en fait basé dans une zone de rizière. Précisément, est-ce que vous vous souvenez, lorsque vous étiez à Ampil avant de partir à Preakchi, est-ce que vous vous souvenez quel chef, que ce soit de commune ou de district, était en poste à ce moment-là? Recall the names of the commune chief or the district chief. Ou le chef de district. Le chief of the village. But for the commune chief of Preakchi, I cannot recall the name. Je ne me souviens pas du nom du chef de la commune de Preakchi. Qui vous a donné l'ordre de quitter Ampil pour aller à Preakchi? Ampil and go to Preakchi. Ten Pom Thunderstorm.
It was the security force, the village chief, and the community who gave us that order, and they said that the order came from the upper level. And the order came through the chain of command for us to go. Vous évoquez des forces de sécurité. Est-ce que vous vous souvenez du nom d'une personne faisant partie des forces de sécurité, vous ayant donné cet ordre? I remember some in upper village, namely Meng and Horn. Horn is still living today, but he is very old. Il est très vieux maintenant. And there was another person named Meng who worked in the security in Ampel village. Sur des questions de sécurité dans le village de Ampel. Later on, Sat was chief. Kopsat was a chief. Qui est devenu chef. Quand vous dites plus tard, Kopsat est devenu chef, à quand situez-vous sa prise de fonction? When exactly did he assume his duties? That happened during the time that people were being killed. Ça, c'était pendant la période où les gens étaient tués. About 10 days after, he was taken away and killed. Une dizaine de jours plus tard, lui-même a été emmené et tué. Village chiefs and other chiefs à l'époque, ces chefs were taken away and killed and replaced by new chiefs. Ont été remplacés par de nouveaux chefs. Donc, si je comprends bien votre déposition, vous situez ça à 78, so c'est ça? So, if I understand your testimony correctly, you are situating that event in 1978. Is that correct? Yes. Oui. That was the year. C'était cette année-là. That's when it happened. C'est quand ça s'est passé. Et Kopsat, selon vous, était... And according to you, à quelle commune exactement? Well, in which commune was Kopsat? C'était à Ampil? Exactly. Ou à Trier? Was he in Ampil or in Trier? Kopsat was in Ampil. Kopsat était à Ampil. His parents also lived in Ampil. Ses parents habitaient eux aussi à Ampil. Donc, si je comprends bien, vous avez su qu'il était chef au moment des 15 jours que vous avez passé à Ampel après votre retour de Krichi, c'est ça? From Krichi, is that correct? Yes, that is correct. Oui. Vous avez évoqué à plusieurs reprises un certain Seng. You made mention of a person called Seng. Est-ce que vous pouvez préciser quel était son poste exact? Can you tell us what his exact position was? I heard people saying that he was the Krochma District Committee and he was in charge overall in the entire Krochma district. Il avait la responsabilité de tout le district. Est-ce que vous savez de quel il était issu et quand il avait été nommé? And when he was appointed.
s'appelle... When the Southwest group came from the other side of the river quand to le groupe sud-ouest liberate est arrivé de l'autre rive du fleuve pour libérer la partie dans la zone est, then the east zone cadre scattered, les cadres and from that de point onward, la zone est he, was known as the district committee, et c'est à partir de ce moment-là qu'on the l'a connu comme started. Étant le comité de district, et c'est à ce moment-là que les tueries ont commencé. Dans votre PV d'audition E3/5195, vous avez évoqué COPSAT, et voilà ce que vous dites. ERN en français, 00-27-47-18. ERN en Khmer, 00-20-44-29, et ERN en anglais, 00-242-095. COPSAT est alors devenu chef du village. Malgré Sarah Cham, la situation sous sa direction s'est progressivement aggravée. Nous n'étions pas autorisés ni à prier, ni à parler la langue Cham. Fin de citation. Est-ce que cette aggravation de la situation, ce n'était que en 78? Mende. Non. The situation intensified in 1978. La situation s'est intensifiée en 1978. Until 1979. Jusqu'en 1979. Until the day of the liberation. C'est-à-dire jusqu'au jour de la libération. Prime Minister. Par le Premier ministre. Est-ce que vous êtes sûr que COPSAT n'a été nommé chef de village? Was que appointed en 78? The village chief only in 1978? It happened in 1978, that is when they started killing people, and as I said, he didn't work there for long, he only worked for a few months, and then he was taken away and killed. Avant d'être emmené et tué. Est-ce que vous savez si Seng avait d'autres fonctions en dehors de responsable de district, comme vous l'avez indiqué? Outside of his functions as district chief, as you pointed out. No, I don't. Je ne sais pas. However, I saw him riding his motorbike every day at that time, sur sa motocyclette and tous les jours. He issued instructions to soldiers. Et il donnait des instructions à des soldats. Toujours le document E3/5195, document 00274718 en français, ERN en anglais 00-24-2095 et ERN en Khmer 00-20-44-30. Voilà ce que vous dites, vous donnez des précisions sur l'ouvrage de M. Haussmann qui relate votre récit, et vous dites, dans le sixième paragraphe, Seng était en même temps chef de la commune et chef militaire de la commune. Fin de citation. Est-ce que ça vous rafraîchit la mémoire? Does that refresh your memory?
That's in paragraph 6. Yes, it does refresh my memory. Quelque chose, en effet. And what you write out is correct. Et ce que vous venez de lire est exact. Lorsque vous avez été dirigé vers Trian, when you were led to Trian, vous êtes arrivé à Trian, est-ce que vous savez qui étaient les responsables à Trier? Did you know qui était le chef de who village? Was in charge of Trier? Who was the village chief? I do not know who was the village chief of Trier at the time. I saw many soldiers stationed in the village, and I saw Kamrat Singh going backwards and forward on his motorbike to Trier village. Au village de Trier. Si j'ai bien compris votre déposition, vous avez indiqué que lorsque vous êtes arrivé au village de Trier, vous avez été séparé des femmes et des jeunes filles. Est-ce que j'ai bien compris? You were all separated into groups of women and young girls. Did I understand you correctly? Yes, that is correct. C'est exact. The mosque. We were instructed to sit there for a while, and then we were separated into different groups. Dans la mosquée, ils nous ont séparés en différents groupes. Les hommes, the single unmarried women's group, les femmes célibataires, and the women's group with children, femmes qui avaient des enfants, les young children, de jeunes enfants. Vous avez indiqué qu'ensuite vous êtes sorti de la mosquée, que l'on vous a dirigé vers une maison de type traditionnel. Ma question est de savoir, est-ce que vous savez si les femmes sont restées dans la mosquée? Men were taken out first, and the women's group were allowed to remain, were ordered to remain in front of the mosque. Although some of them wanted to go with the men, but they were prohibited from going. And later on, I did not know where they took those women to. They disappeared. As for men, we were then tied up under the house, attachés sous la maison. J'en viens maintenant au moment où vous êtes dans la maison de type traditionnel sur pilotis. Vous indiquez qu'il y avait plusieurs maisons aux alentours. Ma question est de savoir à quelle distance se trouvait la maison la plus proche de la maison dans laquelle vous étiez arrêté. Nearest house to the house in which you were held in custody. The distance or the gap from one house to another was between 2 meters to 3 meters or 4 meters. Deux, trois ou quatre mètres. And you could see through the cracks of the wall or people in the adjacent house. Les gens dans les maisons voisines. As rows of houses were built along the riverbank in Trier village. Enfin, au village de Trier, les maisons étaient construites en rang sur la rive. Si les maisons étaient construites en rang, est-ce que j'ai raison de dire que vous pouviez vous adresser aux personnes qui étaient sur la maison de gauche de votre maison et sur la maison de droite de votre maison, et que donc vous ne pouviez vous adresser qu'à deux maisons depuis l'endroit où vous étiez? Houses to your left or to your right, that is, left or right of the house where you were held. Yes, c'est exact. That is correct.
we were not allowed to speak to one another, even if among us, within one house, we were warned by soldiers not to speak to one another, let alone speaking to others in the adjacent houses. Je vous pose cette question, Monsieur Ibsen, parce que j'ai cru comprendre de vos réponses à Monsieur le coprocureur que vous avez indiqué que vous avez su qu'il y avait des tcham dans toutes les autres maisons parce que vous aviez pu échanger avec eux. Donc, est-ce que je dois comprendre que finalement vous n'avez pu échanger qu'avec les gens qui étaient les plus proches de vous ? When we were walked by soldiers from the mosque, we could speak to one les soldats nous ont fait marcher depuis la mosquée, nous pouvions parler entre nous. And actually, I was asked where I was from, and I said we came from Ampel village. J'ai répondu que nous venions du village d'Ampel. Conversation took place on the house that I was detained. Conversation and after that, we were prohibited from speaking to one another. Et par la suite, on nous a interdit de parler entre nous. Donc, si je comprends bien votre réponse, ça veut dire qu'à partir du moment où vous êtes dans la maison, vous ne pouvez pas vous adresser aux personnes dans les autres maisons. Est-ce que c'est bien ça ? Vous n'avez pas pu leur parler. Oui, c'est correct. We could not communicate with one another. Nous ne pouvions pas communiquer. In the same house, nor to others at the adjacent houses. Dans les maisons d'à côté. Vous avez également indiqué que au moment de votre fuite, il faisait noir et il pleuvait, et que c'est ce qui vous a permis de fuir sans être remarqué par les soldats. Est-ce que j'ai bien compris votre déposition ? Without being noticed by the soldiers, did I properly understand your testimony? Yes, that is correct. At that time, it was dark and it was raining, and that was a chance for me to sleep through, to slip away. Ma chance pour m'enfuir. Et vous avez, si j'ai bien compris votre déposition, également expliqué que comme il faisait noir et qu'il pleuvait, lorsque vous êtes arrivé à côté d'une pile de vêtements, vous ne l'avez pas vraiment vu, les vêtements, mais que vous les avez plutôt sentis. Est-ce que c'est bien votre déposition ? Yes, that is correct. C'est exact. I felt the clothes. That is after I crawled from the house. So. And actually, I felt and touched my water container amongst the piles of the clothes. So once I touched the water container, I realized that it was a pile of clothes. C'est en attachant la gourde que je me suis rendu compte qu'il s'agissait en fait d'une pile de vêtements. Je vous dis ça, je vous demandais ces précisions parce que dans l'ouvrage de Isa Osman, document E3-9334, voilà ce qui a été indiqué. À minuit, excusez-moi, je donne les ERN en français, 00274725. ERN en anglais, 00204443.
et ERN en Khmer 00 20 44 38. À minuit, and I quote, constaté, je suppose que c'est ayant constaté que les Khmers rouges se reposaient pour manger et boire, je suis sorti de la touffe en rampant vers la rive. À la rive, j'ai vu un grand tas de vêtements. J'ai rampé à travers ces vêtements. Je suis arrivé plus tard au bord du fleuve. Tout d'un coup, j'ai trouvé un colis des vêtements de ma famille. C'était ma femme qui s'occupait de ce colis lors de notre séparation. J'ai alors conclu que ma femme et mon enfant étaient tous morts. De même, à côté de là, il existait un bidon. C'était aussi le mien. Je l'ai récupéré et descendu dans l'eau. La traduction en français est vraiment mauvaise. Je l'ai servi de flotteur pour m'avancer au fil de l'eau. Fin de citation. Donc ma question est la suivante. Est-ce que il est bien exact que la manière dont ça s'est réellement déroulé, c'est que vous avez senti une pile de vêtements et que vous avez ensuite nagé pour fuir et que vous avez supposé, comme vous n'avez jamais revu votre femme et votre enfant, qu'ils étaient morts, mais que ça n'a aucun rapport avec l'extrait que je viens de lire. I was sure about that. J'en étais certain. Je vais reposer la question parce que je pense qu'il doit y avoir un problème, donc je recommence. Je vous ai lu un extrait dans lequel il est indiqué que vous auriez reconnu les vêtements de votre famille. Or, à cette barre, vous avez confirmé que vous n'avez pas vu les vêtements. Est-ce que vous pouvez m'indiquer quelle version est la bonne? Answer. I touched the clothes. J'ai senti les vêtements. And water container. I did not know whose clothes. Je ne savais pas. Was it? However, I recognized that the container belonged to me because there was a string tied to that container, and there were clothes at the place where I crawled to. Et il y avait des vêtements à l'endroit où j'ai rampé. Monsieur le Président, j'en ai bien fini de cette ligne de questionnement. Je pense que c'est peut-être le moment de marquer la pause. Thank you. It is now lunch break. The chamber will take a break from now until 1:30 to resume our hearing. Court observer, please find a proper room for this witness during the lunch break, and please invite him back into the courtroom before the chamber at 1:30. Security personnel are instructed to bring Mr. Kyusampong back to the holding cell downstairs, and please have him returned into the courtroom before 1:30. The court is now in recess.